Fevé, bonjour à tous. Allez, c'est parti. C'est un petit peu le match des extrêmes aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un peu excessif de notre part. Disons que les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie. C'est pour nous. C'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Pour David Villa. Xavi. Un petit peu d'espace sur l'aile maintenant. Et bien joué cette talonnade. Tout la langue. Xavi pour essayer de reprendre ce ballon. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Qui vient en contact. On a le tacle. On va essayer de lui prendre le ballon. On va souffler un petit peu avec cette touche. Oh, il l'a trouvé. Ah oui, parfaite la récupération. Un beau duel en perspective. Ce ballon. Tout la langue. Et la balle pour Ruud van Nistelrooy. Le corner à suivre, il va y avoir danger. Dani Alves. Avec David Villa. Ah, c'est un très bon technicien, bon dribbleur, redoutable en 1 contre 1. Ouais, très bien joué ce centre. Voilà, jolie frappe. Oula, ça passe très nettement au-dessus de la barre. Ça a été la récupération. Le ballon qui peut récupérer ce ballon. Oh, le beau tir ! Oh, le ballon qui est contré par la défense. Xavi. Lionel Messi. Le ballon change de camp. À l'interception. Fabregas. Une belle passe. Ouais, je le tire. Oh, j'ai cru que le plus dur était fait avec cette superbe passe. Ah, c'est vrai qu'il est alerté dans les meilleures conditions. Peut-être en manque de lucidité dans le dernier geste. Ok, elle est bien partie. Oh, le gardien, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Oui, il a bien senti le coup en effet. Le FC Barcelone qui va effectuer la remise en jeu de la touche. On s'approche des buts. L'Espagnol pour essayer de reprendre ce ballon. Oui, dangereux ce centre. La bonne occasion. Oh, le défenseur, là, il a payé de sa personne. Il s'est sacrifié. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Et ça fait but. Oh, on voit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Et tout vient de cette passe décisive. En effet, c'est là que la différence se fait. Et ils savent exploiter les pertes de balles de l'adversaire. Et ensuite, ça va s'en aller. Voilà, après
cette ouverture du score, ça fait 1-0. Et il récupère le ballon, heureusement, parce qu'il y avait danger. Et la balle pour Ruud van Nistelrooy. Le tacle. Lionel Messi. Quel joli tir! Il n'avait plus que le gardien à battre, quel dommage! Il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle, il ne s'est pas trop livré. Le ballon en touche, les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Fabregas. Oh, ils se font prendre au tout dernier moment, c'est pas possible. Et voilà, déjà 45 minutes dans ce match, un petit but simplement 1-0. Si les choses en restaient là, Franck, on tiendrait une certaine surprise. Mais c'est vrai, mais comme vous dites, si les choses en restaient là. Mais cela dit, c'est bien hein, pour le spectacle en seconde période. Le favori va devoir se découvrir maintenant pour revenir dans cette partie. Et le match reprend à l'instant, c'est le début de la seconde période. Il est à la lutte avec Abidal. Messi. Iniesta. Maresca. Iniesta qui cherche à jouer le ballon. Avec Van Nistelrooy. Et il est bien pris dans son couloir. Un ballon perdu. Oh, la bonne passe bien dosée. La centrée. Contre ce ballon, un ballon rendu à l'adversaire finalement. Voilà, touche longue, touche courte. Daniel Alves qui tente de récupérer ce ballon. Ah, il perd le ballon, mais ça joue. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. L'intervention décisive du défenseur. Ah oui. Et il poursuit sa route, ballon au pied. Peut-être une occasion. Le FC Barcelone qui accélère. Oh, le poteau et ça sort. Fabregas. Et le ballon qui change de camp. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Elle est bien partie cette frappe. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Xavi pour essayer de reprendre ce ballon. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Oui, pour essayer de reprendre la balle. Le beau duel pour la récupérer. Monsieur Valente, la Razabal, qui s'approche du joueur. Une carte en jeu hein, pour cette faute. Le joueur du Barça, là, qui va devoir faire attention quand même maintenant. Sorti de but donc.
ce ballon. Et pour le moment, rien ne rentre en vrai. Le FC Barcelone qui récupère. Oh, il est en position idéale, il y va marquer. Ah, décidément, il est sur tous les ballons. C'est assez impressionnant. Le corner à suivre pour le FC Barcelone. Se dégager. Xavi. Oui, ça c'est bien joué. Toujours pas d'évolution à la marque alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ballon pour Van Nistelrooy. Le duel maintenant. Il faut relancer maintenant très vite et très bien. Oh, ça c'est une bonne balle dans la défense. Qui est stoppé, mais ce n'est pas fini, il faut rester vigilant. Et c'est intercepté par Iniesta. Oh, peut-être le coup de poignard. Ah, il ne peut maîtriser ce ballon. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Ah, c'est sorti. Iniesta était sous pression. Et le ballon qui est sorti en touche. Maresca. L'arbitre vient de siffler la fin de ce match à l'instant sur ce score de 1-0. Et bien Franck vient d'assister à une belle surprise. Tout de même, personne n'est donné favori dans ce match. Non, c'est vrai, même nous. Hein. Peu de gens croyaient en leur chance, mais ils ont très bien suggéré les moments importants de ce match et ils ont joué tous les coups à fond. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Le match est lancé. Avec un favori clairement identifié. Évidemment, sur le papier, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes. Attendons tout de même de voir la réalité sur le terrain. Dans le rôle de l'arbitre, monsieur Javier Aguilar Ramirez. Ça c'est fluide. Oh, c'est le but, ça c'est sûr. Oh, plein sur la transversale. Oh, il rend finalement le ballon à l'adversaire, c'est pas bien joué. Ça ira pas plus loin. Xavi. Il a eu le temps de sauter pour l'éviter. Allez, la bonne passe. Avec coup franc contre Barcelone. Le joueur du FC Barcelone qui est sanctionné pour cette faute. Et sanctionné d'un carton jaune, tout simplement. Ses qualités de finisseur, on se dit que cette action peut être dangereuse. Et ça fait but!
action de Fabregas. Il joue avec le feu là, mais il n'y a pas faute. Et il a bien joué le coup. Oh, il est tout seul. Oh, le tir. Oh, il était tout seul et il a manqué le dernier geste. Oh, ça ne veut pas rentrer. Là, ce ballon qui traîne. Le ballon récupéré par Abidal. Mais ça joue. Andrés Iniesta, un joueur très à l'aise, hein, techniquement capable de faire à peu près tous les gestes techniques. Messi pressé. Oh oui, la bonne passe vers les buts. Oh, ça va rentrer. Oh, la parade. Oh oui, la parade du gardien. Ça sort en corner pour le Barça. Peut-être une bonne occasion. Ouais, je le tire. Ah, il échoue sur le gardien. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Oh, c'est la totale sur cette action. Pénalty et carton rouge. Eh oui, et en même temps, j'estime que c'est tout à fait mérité, Hervé. L'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. C'est pas très bien tiré. Pic. Eric Abidal. Et Joe Busquets. Et ce ballon de Messi est intercepté. Et ils ont raillé cette belle occasion. Ouais, le tacle glissé. Ça joue, dit l'arbitre. Ouais, lui qui est plutôt adepte du sifflet d'habitude. Oh, bien vu. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. On va souffler un petit peu avec cette touche. Ah ouais, l'action est limpide, il y a du mouvement, une belle construction. Après, il n'y a plus qu'à soigner la finition. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Marcos Senna. Ouais, ça joue bien là. Et il perd finalement son face à face. Ah, c'est bien joué hein, de la part du gardien. Et ça continue. Elle soulage sa défense avec ce dégagement. Ouais, cette faute, elle a au moins le mérite d'enrayer cette bonne attaque, si je peux dire. Fin de 45 premières minutes donc. Et le score est de 1 partout. Une première période où rien n'est fait pour le moment. Et les deux équipes sont au coude à coude. Et le suspense reste entier pour la seconde période. L'occasion de prendre l'avantage au score. Zapata. Marcos Senna. Lionel Messi. Mais quel talent! Quel talent on attaque chez ce joueur! Oh, pour moi, c'est simple, c'est l'un des tout meilleurs au monde à ce poste. C'est une des hommes clés de cette rencontre. Marchena. Giuseppe Rossi. Il va devoir protéger son ballon. Orjo. Oh, dommage, il était tout seul.
interception. Oh oui, c'est bien vu. Il est bien défendu. Puyol. Xavi. Allez, on rendu à l'adversaire. Camille. Également servi, attention, ils essaient de prendre le match à leur compte. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Le gardien qui s'interpose à nouveau, il enchaîne les bons arrêts, c'est parfait. Lionel Messi, un ballon perdu. Camunias. Xavi. Ce ballon. Lionel Messi. Ok, elle est bien partie. Ouais, c'est repoussé. Pour essayer de reprendre ce ballon. Un bon tacle, mais c'est pas fini. Marseille est à la récupération. Fabregas. Busquets. Et la balle est perdue par Fabregas. Ça, c'est pas bien défendu. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Xavi. Ballon pour David Villa. Avec Messi. Personne n'a encore fait la différence. Plus que 5 minutes. Et le bras de fer qui continue. La fin de match risque d'être tendue. Cette frappe, oh but incroyable, oh, c'était maintenant ou jamais, dans les derniers instants. Et quand on revoit cette action au ralenti, on comprend la joie du buteur. Et c'est un geste difficile à réussir, on est souvent ridicule, tiens, quand c'est raté, mais alors quand ça marche, qu'est-ce que c'est beau. Ah, et ce ballon très précis, vraiment très difficile à arrêter pour un gardien de but. Et 2-1 donc maintenant. Le Messi à l'interception. Oh, il se rapproche du but. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Barça. Oh, l'arrêt du gardien. C'est arrêté par le gardien. Et il remporte son duel. Là, c'est jamais facile hein, pour les gardiens pourtant, mais là. Félicitations. C'est la fin du match. C'est terminé sur ce score serré de 2-1. Quelle fin de match on a vécu. Ça s'est joué à pas grand-chose quand même. Et toute fin de match là. Et ils ont su accélérer quand il le fallait. Et après, l'adversaire n'a rien pu faire pour espérer revenir. Ravi d'avoir vécu ce match.